ça va faire mal. Trop petit. Trop bouffant. Trop princesse. Trop parfaite. Je peux vivre avec. Qu'est-ce que t'en dis, Vamps? Non, va-t'en! Plus de chauve-souris désormais! Ouais! Et tu dois arrêter de parler de mortalité! Et de la mort! Ne lui demande pas son groupe sanguin! Et ne propose pas le cimetière pour un rencard! Et assure-toi de rire à chacune de ses blagues! Comme ça! Oh, et parle-lui de sport! Les garçons adorent ça! Et si rien ne fonctionne, essaie mon spray à la pizza brevetée! C'est scientifiquement conçu pour attirer les garçons de 8 ans! Burke. Note à moi-même, y aller doucement sur les anchois. Oh my god, Rocky, c'est carrément cool de te voir. On se connaît? Je suis Lucie. Désolée, je t'avais pas reconnue. Tu peux pas venir au mini-golf? Mais on a déjà acheté les 4 tickets d'entrée. Peut-être qu'on devrait inviter 2 autres personnes à venir avec nous. Mais c'est une super idée! Ça tente quelqu'un, Lucie? Je suis censée retrouver mes copines au centre commercial, mais pourquoi pas? Si seulement un autre garçon pouvait nous accompagner pour qu'on soit 4. T'es libre, pas vrai, Rocky? Super! Est-ce que l'une d'entre vous aimerait avoir un rencard? T'as juste à faire comme moi et oublie pas, agis comme une fille normale. Oups! Mon nounours! Pourquoi j'y arrive pas? Tu peux m'aider? Mais bébé, tu es dans l'équipe universitaire. Aou! Je veux dire, bien sûr, bébé, je vais t'aider. Alors garde les épaules bien droites et accompagne la balle. Pourquoi t'as fait ça? Je croyais que... Et au fait, cette équipe de baseball qui a joué l'autre soir... Waouh! Joli coup, mon nounours! Il était pour toi, bébé. Waouh! Joli coup, Rocky Nours! Quoi? C'était complètement raté! Ma balle a atterri dans une gouttière! Tu es tellement drôle! Joli coup, mon pote. Cet endroit est flippant. Pas vrai, Lucie? Waouh, le Freilich 2000 avec l'intérieur en velours frappé, je l'avais jamais vu que dans des catalogues. Lucie, non. On a dit normal. Vous êtes tombés amoureux? Non, c'est tout le contraire. Lucie, attends. On est désolé de t'avoir forcé la main. Désolé. On s'est un peu emballé quand tu nous as dit que tu voulais être une fille normale, comme nous. Mais t'es pas comme ça. Tu es Lucie Loud. Tu es parfaite comme tu es. Et nous, on t'aime très fort. Soupir. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je sais que vous vouliez juste m'aider et je vous en remercie. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller m'asseoir dans le noir. Ça me remonte toujours le moral. Bon, j'ai bien retenu la leçon. On peut sortir une fille de son cercueil, mais on peut pas sortir le cercueil qu'elle a dans le cœur. Salut. Salut, t'es revenue aux cheveux noirs? Oui, le blond, c'est pas vraiment moi. J'ai essayé d'être une fille normale, mais je crois que je vais simplement rester moi-même. Bah, je suis contente de te l'entendre dire. Merci, bon, à plus tard. Attends, c'est vrai? Mais la première fois qu'on s'est vu, t'arrêtais pas de t'enfuir. Je croyais que je te faisais peur. Pour être honnête, je te trouvais beaucoup trop cool pour moi et je savais vraiment pas quoi dire, alors je me suis juste enfui. J'ai une collection de cercueils au sous-sol. Tu veux les voir? Ouais, ce serait sympa, tant que je me retrouve pas enfermée dedans. Ça marche.